Est-ce qu'on a une réponse? Est-ce que... Par ici, Booker! C'est là que nous devons aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Ça veut dire quoi, cet impassage? Je vais vous montrer. Ça sent les ennuis, tout ça. Une ville au fond de l'océan? Mais c'est absurde. Regardez. Des milliers de portes. Elles s'ouvrent tout en même temps. Mon Dieu, c'est magnifique. Quoi? Les étoiles? Allez, venez, c'est par là. Allez! Tu vas essayer de l'ouvrir? Ça ne marche pas. C'est pas juste. Je pensais qu'une fois ici, je pourrais tout contrôler. Je pensais... Qu'est-ce que c'est? C'est une clé. Et d'où elle sort? Elle a toujours été là, mais... je ne pouvais pas la voir. Vous voyez? Des portes. Pas des étoiles. Des portes qui mènent où? Elles mènent partout. Il ne nous reste qu'à choisir. D'où ils sortent tous ces phares? Qu'est-ce qu'on fait? Qui? Ce sont des millions de millions de mondes. Tous différents et tous semblables. Des constantes et des variables. Comment? Il y a toujours un phare, il y a toujours un homme, et toujours une ville. Comment tu sais tout ça? Je les vois derrière les portes. Vous, moi, Columbia, Songbird. Mais parfois, quelque chose change. Des constantes et des variables. Oui. Regardez. Mais c'est nous? Pas tout à fait. Le voyage est différent, pas la destination. Tout commence toujours par un phare. Je ne comprends pas. Ce n'est pas très grave. Ça ne changera rien aux événements. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Dans le passé, dans le futur. Il y a tellement de choix possibles. Ils nous mènent tous au même endroit. Au commencement. Personne ne me dit où je dois aller. Booker... c'est trop tard pour ça. Là, c'était il y a une vingtaine d'années, juste après Wounded Knee. J'étais à la recherche de... Allez, mon fils, le temps presse. Que faisiez-vous là? Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous? Êtes-vous prêt à être purifié? Êtes-vous prêt à renaître une nouvelle foi? Prenez ma main. Non. Non, je veux pas. Mais c'est déjà trop tard, n'est-ce pas?
Êtes-vous prêt à renaître ? Je suis prêt. Vous repentez-vous ? Oui. Regrettez-vous votre cruauté ? Oui. Voulez-vous repartir du début, abandonner votre ancienne vie et renaître dans le sang de l'agneau ? Oui. Jésus, purifie cet homme. Père, non. Fais-le renaître. Attendez, stop. Seigneur, arrêtez. Qu'est-ce que vous non. faites, DeWitt ? Laissez-moi, stop. Allez. Vous ne vous êtes pas laissé faire. Tu crois qu'une simple baignade suffirait à effacer mon passé ? Sortons vite d'ici. Les portes dont tu parles, ce sont les failles, pas vrai ? Alors ouvre-en une. Ouvre-en une vers Paris, je refuse de rester ici. On doit d'abord trouver Comstock. Comstock est mort ! Non. Il était là. Venez. Pour mes dettes. Ramenez la fille et nous effaçons la dette. C'est l'homme qui m'a embauché pour te retrouver. Vraiment ? Oui. La fille contre la dette. Attends, attends. Non, 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 ça va pas. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y avait pas de bébé. Je m'en souviens. Non, il n'y avait pas de bébé. Et si c'était le cas, jamais j'aurais accepté de le donner à ce type. Booker. C'est le seul moyen de quitter cette pièce. DeWitt, le temps presse. Ramenez la fille et nous effaçons la dette. Allez-y. Non. Vous pouvez attendre tant que vous voulez. Vous finirez par lui donner ce qu'il veut. Mais comment tu sais tout ça ? Je vois toutes les portes. Et tout ce que cachent ces portes. Et derrière l'une d'entre elles, je le vois, lui. Comstock. J'ai pas vraiment le choix. La dette est effacée. Comstock a purifié tous vos péchés. Ramenez la fille pour effacer vos dettes. Il n'y avait pas de bébé. Le marché, c'était d'aller te chercher à Columbia. Booker, enseignez. Non. Je sais très bien ce dont je me souviens. Nous l'avons chamboulé. Et je doute fort que la suite n'arrange son état. Allez. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Comstock est mort. On n'a plus qu'à reprendre le cours de nos vies. Pas besoin mort. De... Comme Chen Lin, vous voulez dire ? Comme Madame Comstock ? Non. Il est en vie dans des millions de millions de mondes. La mort du prophète ne résout pas le problème. Il ne sera résolu que si nous l'empêchons de ne jamais voir le jour. Hey. Ça marche plus, vous entendez ? Ça ne marche plus ! Rendez-la-moi ! Rendez-la ! Tu es folle ! Rendez-la-moi, sale enfoiré ! Non ! Non, non, non ! Rendez-moi ma fille ! Non ! Anna. Non. Non. Je suis désolé, Anna. Anna, je suis désolé. Elle est partie, Booker. Anna. Vous avez partagé cette pièce avec vos regrets pendant 20 ans. Jusqu'à ce qu'un homme vienne vous voir. Vous offre une chance de rédemption. Une chance de nous réunir. Oh. Oh. Je t'avais dit que ça marcherait. Nous savons déjà que ça marche. Mais lui, le sait-il ? Anna.
Anna. Je suis désolé, Anna. Tu penses qu'il s'est marqué au fer rouge en signe de pénitence? Pourquoi faire? Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait sera fait. Cette marque est un peu son cilice, comme lui et le nôtre. Nous effacerons la dette. Ramenez la fille. Et nous effacerons la dette. Ramenez la fille. Nous effacerons la dette. Tu vois, il commence à reconstruire son histoire. Nous effacerons. Elle se plaît vraiment, ta théorie. Ramenez la fille, nous effacerons. À en fabriquer de nouveau. Ramenez la fille, nous effacerons. Le cerveau s'adapte. Oh, je sais bien. Booker, debout. Booker, réveillez-vous. C'est là que tout a commencé. Je t'ai vendu. Je t'ai vendu. À votre décharge, vous avez tenté de faire machine arrière. Tout est de la faute de Comstock. Si je revenais en arrière, que je le tuais avant que tout ça n'arrive. Ça y est, tout se met en place. Mais comment savoir à quelle date remonter? Je vois pas d'autre solution. Remonter à sa naissance et étouffer ce salopard dans son berceau. Vraiment, ce que vous voulez. J'ai pas le choix. C'est le seul moyen de réparer ce que je t'ai fait. Booker DeWitt, êtes-vous prêt à renaître une nouvelle fois? Pourquoi on est revenu ici? Ce n'est pas le même endroit, Booker. Bien sûr que si, je me souviens. Attends. Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous? À repartir du qui début es-tu? Vous avez refusé, mais pas dans toutes les règles. Vous avez accepté. Et vous renaissez sous une autre identité. Comstock. Il faut qu'on arrête tout ça. Ne jamais commencer. Pas uniquement dans ce monde, mais dans tous nos mondes. Je l'ai tout fait au berceau. Purifie cet homme. L'étouffer. Fais-le renaître. Avant qu'il ne choisisse. Avant qu'il ne renaisse. Quel sera votre nom, mon fils? Il est Zachary Comstock. Il est Booker DeWitt. Je suis... les deux. Anna? Anna? C'est toi?